Salut tout le monde, c'est Flavius Fontensius et j'ai encore eu un retournement de bureau, c'est le troisième, bon sang. Donc pour vous dire, qu'est-ce que je disais encore une fois? Eh bien on s'apprête à prendre la Finlande, or une armée de cavalerie nous attaque. Et par précaution je préfère me replier sur une position stratégique. J'aurais dû me replier derrière la colline qu'on voit derrière le drapeau. Mais non, comme un crétin, je m'installe au pire endroit de la planète. Donc inconvénient dans cette bataille, c'est qu'on n'aura pas la possibilité d'affronter leurs caves. Parce que voyez notre cavalerie, 2 unités, et eux ils en ont au moins 7. 7 unités de caves, ça se tente pas, non. Alors autre inconvénient, on n'a pas la formation en carré, c'est une position très connue. Bah de toute façon c'est la seule, quand tu vois une unité de quand tu vois des cavaliers foncer sur toi avec tes potes, tu te mets en carré. Donc voilà, tu tires simultanément sur eux et ça passe. Bon, à chaque fois ça crache, ça a un retournement au bureau, donc je ne peux plus jouer au jeu. Ceux qui ne peuvent pas vous faire croire des absurdités ne peuvent pas vous faire commettre des atrocités. Voltaire, auteur, philosophe et intellectuel français. Ah bien trouvé la rime. Même si c'est un peu dégueulasse ce que tu dis là, mais c'était bien trouvé. Le mec, il trouve la plus mauvaise rime au monde. Genre, vous n'allez pas faire de bêtises, mais par contre vous allez... Mais je vais pas vous faire des bêtises sanglantes. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je disais encore? Eh bien, on avait vaincu la Perse. Bon, on n'a pas encore vraiment vaincu la Perse. Et en plus, il y a une armée turque sur le territoire que je viens de prendre. Ne crache pas, ordi, je t'en voudrais. Pourtant, l'ordi, il est même pas chaud, je comprends pas. C'est inexplicable. Donc, on s'était bien posté là, ce qui est un avantage pour nos canons parce que... Et voilà! Tada! J'espère... Non, c'est un peu trop bas comme position. Ah bah, à côté d'un arbre! Voilà, comme ça, si un mec a envie de dormir, bah voilà. C'est un peu nul comme phrase à dire, quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée, c'était pas comme ça que je m'étais posé. J'ai fait des recherches sur nos deux généraux, Ivan Mazepa et aussi notre fidèle Anikita, celui qui combat actuellement à nos côtés. Donc, Anikita, et bien, tout ce que j'ai trouvé sur lui, c'est qu'il est mort en 1725. J'ai pu trouver mieux comme info. Et sinon, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Eh bien, Ivan Mazepa était un cosaque. Oui, je dis bien un cosaque. Pas pour... Enfin, cosaque, comme le jeu Cosaque Back to the War. Voilà, vous m'aurez compris. Alors, on va pas les mettre comme ça, mais on va les mettre en baïonnette. Pas de baïonnette. Les mecs, c'est quoi ça? Il faut des baïonnettes. Regardez, même l'infanterie ligne en a. Oh, ah là là, décidément, l'armée, c'est plus que c'était. Pourquoi je dis ça? Ça n'a aucun sens. Le mec, il crie sur sa propre armée. Avantage de notre adversaire qui n'a pas de cave. Vase. Qu'est-ce qu'on raconte? Ils n'ont pas de canon. J'espère que ça crache pas. C'est bon. Par contre, on a une armée qui spawn sur notre flanc. J'aime pas ça. On va se redéployer sur le terrain. Oh, bah génial si on les touche direct. Et donc, Ivan Mazepa est actuellement mort dans la campagne. Il n'est pas mort au combat. Mais actuellement dans la campagne, s'il faisait que les généraux principaux mouraient, eh bien, Ivan Mazepa serait mort à l'heure actuelle. Parce que le mec doit être mort en 1709. Donc actuellement, là, il est en Perse alors qu'il est mort exilé en Ukraine quelque part. Avant, bien évidemment, Poutine annexe la Crimée quand même. Ouais. Attendez, on a annexé la Crimée, ça veut dire... Non, quand même pas, je suis en train de partir sur des théories du complot, nanana. Et donc, Charles XII de Suède, qui est le roi de ces enfoirés qui nous ont attaqués, est mort au combat. Oui, j'ai bien dit, il est mort au combat. Je sais plus de quoi il est mort, roi d'un boulet de canon. Oui. Déjà, ce qui est choquant, c'est qu'un roi se fasse blesser au combat, ce qui était très probable. Qu'il se fasse capturer, c'est la honte de... C'est quoi cette bataille déjà? De la Pavie, où on a perdu François 1er qui s'est fait capturer comme un débile. C'est quoi son idée de charger la cavalerie? Non, c'est quoi son idée de charger avec de la cavalerie alors qu'il y a pas des tanks, comme l'idée polonaise de la charge des tanks? Non, mais l'idée vraiment débile, quand je dis vraiment débile, c'est débile, de charger ses hommes sur des trucs nommés des arquebuses. En bref, les fusils modernes. Actuellement, donc en bref, on a arquebuse, on a le mousquet, c'est ce qu'on a. Donc le mousquet qui tire qu'un coup. Voilà pourquoi nos hommes sont obligés de recharger à chaque fichu fois. Enfin, mes hommes, ils visent... Attendez, je regarde s'il... Oh, déjà 11 morts, les mecs. Les mecs, GG. Là, vous parvenez à faire beaucoup de kills en un peu de temps. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ouais, ils sont... Bref, s'ils arrivent sur le chemin pour marcher, ils meurent. C'est-à-dire, il pourrait y avoir un civil qui passe, boum, il se fait tuer. Bon, on va remettre les boulets de canon.
Ils n'ont pas vraiment l'air d'avoir envie de me charger. En même temps, ils ont peur de moi. Et donc, Ivan Mazepa est actuellement plus de 80 ans, parce qu'on est en 1715. Et Anikita, lui, est mort en 1725, donc on doit peut-être s'attendre à sa mort. À moins qu'on termine la guerre plus tôt, bien évidemment. Ne me dites pas que les boulets canons les loupent. Parce qu'on voit des traces au sol, non, c'est bon. Oh, et Sinoku. Ah, j'entends des chevaux qui meurent. À moins que... Non, mais... Oh, bah ça, c'était bien joué. C'est bien joué sur l'infanterie suédoise. Oui, ils ont bien touché. Gnac. Oh, mais regardez ça, comme si je les voyais pas, là, dans le bois. Attendez. Regardez. Alors, toi, tu vas me viser les débiles qui ont cru se cacher dans le bois. Et à tous les coups, ça va être une idée ridicule. Ah, les deux armées sont déjà là. Oh, oh, non, 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 là, je le sens pas, je le sens pas. Là, ça sent vraiment la charge sur mon flanc. Mais vraiment la charge. Toi, tu vas te mettre comme ça. Oui, je suis tellement paranoïaque qu'ils vont me charger. Attends, c'est pas étonnant que si on se prend une charge dans la face. Oh, ils sont en train de venir avec leur petite armée. Et si vous arrivez aussi... Ah non, général, il bouge. Non, ça va pas se passer si général, il bouge. attendez, les canonniers, je crois qu'on va peut-être arrêter. Alors, vous prenez la mitraille et vous les attendez patiemment. De toute façon... Ouais, je me suis bien posé pour une fois. Ah, je crois que j'ai vu un arc-en-ciel. Non, c'est bon. Pas dans la réalité, dans le jeu. Mais c'est ridicule. D'où on voit un arc-en-ciel dans un jeu? Bon, alors c'est quoi? Regardez ça, ils viennent mourir. Venez mourir à la mitraille. C'est plus rapide que d'attendre de mourir, vous savez. Donc Ivan Mazepa était, comment dire, je crois que c'était un traître. Il combattait du côté des Suédois. Oui. Donc en bref, notre génial général est un enfoiré. Regina. Ou père. Oh mon dieu, je fais une bêtise. J'ai une minité là, donc ça va. Mes hommes vont se faire étrier. Oh mon dieu. Bon, moi, il y a le général qui va vous encourager. Ah, on va bientôt avoir les premiers tirs de mitraille sur ces débiles. Qui sont plus que 109. Oh, oula, je sens pas. Oh, oh mon dieu. Oh là là là, ça sent. Oh là, ouh. Mon dieu, ça va partir en massacre. C'est bon, ils prennent pas mes canons pour cible. Bah, c'est bien alors. Attendez, stop. J'ai dit stop. Alors, récapitulons la situation. On se fait charger dans tous les sens et notre... Oh les enfoirés, ils veulent avoir mon artillerie. Bah vous allez devoir me passer sur le corps. Donc là, il va falloir se mettre en mode de riposte. Oui, normalement, lors des grandes batailles, les généraux, ils font pas ça. Ils font pas... Stop! Oh mon dieu, mais là... On a déjà mis une en déroute. Mais les mecs sont fait décimer, regardez ça. Regardez, ils sont à l'avant, mais ils hésitent à partir. Ah, oh, on va se prendre une charge. C'est bon, on est préparé à toute éventuelle charge ennemie. Voilà, je prévois le coup d'avance. Et je vais mettre au ralenti pour voir... C'est tellement un truc d'enfoiré sans prendre au canon, mais c'est qui le débile? C'est qui le débile de l'IA? Non, sans vouloir me moquer de Total War Prod, qui a mis aux unités le mode attaque l'ennemi. Oh bah c'était stupide comme idée, vous avez pas réussi à prendre mes canons. Courez pour votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous faudrait courir là. Et vous courez. Vous n'aurez jamais mon martyrie. Pensez quoi? Pensez vraiment que vous allez m'attaquer? Alors, c'est bien le mode ralenti, est-ce que quand t'es bien en stress... Regardez, leur cave, elle se fait massacrer, c'est Nagashimo. En fait, c'est une bataille où les... Enfin, c'est la bataille qui a inspiré, ce qu'on peut dire, c'est la pavie japonaise. Parce qu'en fait, le principe des japonais, c'est de charger l'ennemi. Et c'est toujours ça le plus décisif dans la bataille. Oh ben non, arrêtez, je me prends déjà une charge de cave, alors c'est bon. Bon, attendez, on peut remettre en normal la situation. Bon, eh bien, ça y est, on les a repoussés. Donc, on va pouvoir se reposter comme... Non, j'ai... Oh, mon Dieu, le terrain est nul, ce qui m'empêche de bien... Mais mes hommes, ils continuent de tirer. What? Mais les mecs, ils sont hyper sérieux. Ouais, les mecs, ils veulent tellement... Ils protègent tellement mes canons. Oh, bah non. Non, là, c'est bon, vous pouvez arrêter de me charger quand même. Non, on a déjà fait des... Bon, alors, je pense que les canonniers, vous n'allez pas vraiment vous remettre à tirer parce que... Comment dire, la situation est assez serrée. Non. Allez, dégagez, moi je vous en aime. Voilà. Je sais, c'est peut-être une insulte, mais ils n'avaient pas. Mais c'est vraiment
Vous êtes d'accord avec moi? C'est tellement un truc d'enfoiré. Le mec de Total War Gravity Assembly, enfin... Non, j'ai pas dit, on retire. Oh, décidément. Je peux pas désactiver les munitions, sinon, voilà, comme ça, il y a personne qui meurt. Retournez en arrière, ils vont sûrement revenir. Qui serait pas Itsoski. Oh, mais regardez. Attendez, on va s'écarter, on va s'en prendre à leur pote en fuite. Ouais, ils me tirent de loin. Alors voilà, la formation en carré. Donc voilà le principe. Attendez, je vais mettre au ralenti pour qu'on ait plus de temps. Donc voilà, le principe de la formation en carré, c'est de se mettre en carré, comme le nom. Et quand là... Oula, on va peut-être s'en prendre au mec derrière. Donc le principe de l'attaque, c'est que, vous voyez, les soldats, ils tirent à tour de rôle. Donc en bref, ceux qui osent charger ce cavalier, ils sont bien dans la mouise. Comme là. Bon, là, ils se sont bien fait décimer. Ah, c'est ceux qui ont été décimés par une traille quand même. Ouais, donc vu qu'ils ont vu ma cave, ils se sont dit, on va peut-être pas essayer de les charger. Alors, on fait rien, voilà. Oh, on a des lourdes pertes, mais pour refaire tout ça, ça va nous prendre un bail. Bon, on va s'en débarrasser, parce que je sens qu'en général, il va se prendre une balle perdue. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a au moins 100, 200, 300, 400, plus de 600 soldats qui sont en train de te foncer dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en carré? Genre le mec qui se met en carré pour éviter l'attaque. Ouais, on va remettre en normal à ce que... Ouais, l'ordi est en train de surchauffer. En même temps, ils sont vraiment en train... Attendez, les mecs font le carré alors que je suis en train de les charger quand même. Oh, là-bas, ils se sont dit, ouais, c'est inutile. Ah non, ils se mettent pas en carré. Qu'est-ce que vous faites alors? Ah si, ils sont en train de se mettre en carré. Par contre, vous n'allez pas avoir le temps de le faire. Désolé de vous dire ça, mais pas de temps. No time to explain. Oh, ils veulent protéger leurs copains en fuite. Ça, c'est très utile. Allez, mettez-vous en carré. Parce que, de toute façon, j'ai envie de vous charger. Aïe. Aïe. Oh, eh bien, vous avez fait quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? On va raligner nos hommes tranquillement et on va leur donner au passage d'arrêter de tirer. C'est bon. Bah non, on continue. Attends, les mecs, ils vont tirer dessus. Alors vous m'avez tiré dessus, je vais tous vous massacrer. Si il y avait encore le principe des prisonniers dans Medieval 2, je vous exécute sans hésiter. Je vous tranche la gorge. Voilà, mourez. En fait, tu vas attaquer eux. Et vu que la bataille est terminée, on va pouvoir envoyer notre général à la poursuite. Oui, c'est très stupide de... Oui, c'est vrai, ils ont 4 régiments. Ah, 4! Ah, c'est sûr, faut vraiment que je prenne plus de cap dans mes armées. Oh, mais regardez ça! Il y a beaucoup de chevaux morts. Bon, bah au moins on n'aura pas un problème de ravitaillement, on bouffe les chevaux des morts. Ou non, on bouffe les chevaux des ennemis morts, voilà. Ou on prend les chevaux encore en vie et blessés et on les engage dans l'armée. Drôle d'idée, en fait. Bon, eh bien, il semblerait que la cave était... les cavaliers étaient les plus rapides à fuir. Donc, on va repasser... Et les mecs là, ils sont bien débrouillés, ils ont bien défendu l'artillerie, malgré qu'on ait eu quelques pertes. Passage. Bah vous les provinciaux, vous êtes bien débrouillés. Mon armée, elle a gagné aucune expérience. Il y a juste un bataillon là-bas. Ouais, j'ai quand même 2 bataillons sur 5. 3 bataillons qui ont rien perdu, ça me surprend. Bon, le général, tu rattrapes des hommes, parce que moi je veux un peu d'un général avec un peu d'XP. Donc bientôt, Shogun de Total War, Sam Fin des Samouraïs sera téléchargé. Parce qu'il y a 83% vide. Sur Steam maintenant c'est plus que c'était. Moi je pensais Non en fait c'est vraiment n'importe quoi pour télécharger les jeux. Maintenant faut t'attendre 1 milliard d'années. Juste pour Napoléon ça m'a pris plus d'une semaine. Aïe. D'où je perds un homme? Ah non, il devait déjà être mort. Attendez, je pense. Parce que si le général il perd des hommes sans raison, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas un cadavre de cheval. Mais le mec, comment il est mort? Bon, c'est pas mon général encore. C'est bien à l'abri. Bon, ça, on va les laisser de côté. De toute façon, ils ont plus grand chose. On va un peu avancer. Oh, j'ai l'impression que le temps il bug. Non, c'est bon. Bon, on va s'arrêter parce que je crois que la bataille est perdue. On n'aura pas la peau des survivants. Ah, peut-être que si. Regardez, la frontière elle est pas loin. Enfin, pourquoi je dis frontière? C'est même pas une frontière, c'est une limite. Mais bon, frontière, ça donne un petit style. Alors, hein? Alors, tout à l'heure, vous la pétiez avec quand vous aviez plein de caves et soudain, quand on se prend de l'artillerie, ça rigole moins. Voilà, quand je gagne des batailles comme ça où j'ai failli perdre ou où j'étais en stress, j'aime bien me défouler sur les survivants comme ça. Ouais, bon, c'est un peu bizarre comme technique, je dois dire. Alors, lesquels je vais attaquer? Bah. Les plus nombreux, c'est-à-dire vous. Genre les mecs qui sont sauvés de 2.
ça veut pas dire que vous êtes égaré. Bon, vous, je m'en prends même pas à vous. Pensez que 8 soldats vont faire un régiment capable de faire une... Bon, au moins, j'ai toujours mes 4 canons, c'est bon. Bon, alors, messieurs, vous aimez bien être, vous êtes bien contents? Quand même, des cosaques. Donc, aussi, ce qu'on va faire quand on aura vaincu les Perses. En fait, pour les Perses, ce que j'ai prévu de faire, on prend Persépolis. Oui. Parce qu'ils ont une capitale spéciale que je vous montrerai, mais Persépolis, ça fait beaucoup plus style iranien perse. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, c'est qui le mec qui s'est dit? Les Perses, ils ont pas vraiment réfléchi pour le nom de leur capitale. Genre, ils se sont dit, on a besoin d'un nom pour notre capitale. Persépolis! Ouais! C'est comme si tu faisais America City ou France City. Non, Franceville. Parce que France City, petit souci. Bon, bah, on n'aura pas tous eu leur peau. C'est sûr, les cavaliers s'échappent les premiers. Les mecs, ils sont deg. Non, pourquoi on est les derniers? Bah, c'est la vie, désolé de vous dire ça. Vous allez mourir parce que mes catanes. Oh mon dieu, c'est quoi? Bon, on va aller lâcher cela, on va aller s'en prendre au petit survivant là-bas. Bon, vous les... Je sais pas combien vous êtes. Les 20, je vous laisse en vie. Parce que sinon, on va jamais en finir avec cette bataille, on pourra jamais finir cette guerre. 16 minutes pour vaincre une stupide armée composée de cas. Très bien. Bon, eh bien... Ouais, disons que j'ai un régiment à 93 hommes, il a pris cher. Vraiment cher. Bon, au moins, on les aura vaincus. Mon dieu, les... Oh, je déteste voir des chevaux mourir au combat, c'est... Je préfère voir 10 000 des humains morts que des chevaux morts. Bah, c'est à peu près logique, on n'aime pas voir les animaux morts. Bon, je sais que certains ont trouvé cette phrase un peu bizarre, mais... Vous, comment on fait la guerre sinon s'il n'y a rien qui se fait tuer? Bon, la diplomatie, oui, mais comme vous l'avez vu avec les Perses, ils m'ont insulté. Donc là, il y a un casus belli. Parce que casus belli, c'est ce qui déclare l'origine d'une guerre. Par exemple, César qui franchit le Rubicon, guerre civile romaine, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, première guerre mondiale, invasion de la Pologne, seconde guerre mondiale. Voilà. Et donc là, le casus belli avec les Suédois, bah, ils m'ont envahi tranquillement. Ils ont fait des raids. Victoire décisive. Oui, avec de lourdes pertes, tu pourrais rajouter. Une minute peut décider la fin d'une bataille, une heure de la fin d'une campagne et un jour du destin du pays. Ok. 589 hommes et j'ai perdu 79 combattants. RIP, la batterie est reconnaissante. Ah, j'aurais gagné l'expérience. La cave aussi. J'ai plein de régiments qui n'ont rien perdu. Oh, et donc là, on a bien eu assez d'expérience. On a eu infanterie. Ah ouais, on a quasiment... Par contre, les régiments en bas... C'est vraiment surprenant, t'as des régiments où ils ont rien fait, ils gagnent rien. Il y en a deux qu'on... J'essaie de dire un truc, mais ça marche. Donc 79 morts et eux 589 morts. Ils sont plus que 206 et moi 346. En bref, on peut dire ils m'ont rien fait. Oh ouais, les mecs, ils meurent carrément. Très bien. Les mecs, vous savez, vous pouvez... Ouais, toi, ah oui, toi, j'ai oublié, fallait que je te bute. Excuse-moi, mais tu sais, ça se fait pas de voler les technologies des autres. Ah, la Savoie intervient. Pour la première fois, on voit des mecs qui vivent dans le froid. Allez, en Espagne, qui est un pays chaud. Là, les FPS qui baissent, ça me plaît pas trop. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, on a les machines à vapeur. Oh, on a des mines, où ça? Ah bah oui, c'est vrai, on a la machine à vapeur. Et ça va rapporter 1400, on va être bling bling riche. On va économiser notre argent parce que... Argent détecté. Ils m'ont détecté? Non, c'est pas possible. Oh, mon dieu, mais les armées qui se font... Ah. Bon alors, on a repris la Carélie, on s'apprête à prendre. Alors, hein, vous êtes tous, bande de trouillards? On va refaire notre armée comme il se doit avec la méthode à l'ancienne pour éviter de perdre un peu d'argent. Oui, je fais juste ça pour éviter de perdre 500 d'argent, c'est nul. 53 pour recruter 12 hommes. Pour des canonniers, 156, évidemment des canonniers c'est plus cher. Cavalier, 169, mon dieu mais c'est horrible le prix. 22 pour un cavalier. Mais le mec tu lui dis juste tu protèges ce gars et voilà, c'est tout.
Bon, on assiège la ville, en espérant que ces... comment dire, ces trouillards, parce que je vais dire un autre mot, mais ça aurait pas marché. Il est où? T'es là, hein? Hein? T'es là? T'as pas de... Toi, je vais venir te buter, attends. Ah mince, j'ai deux gentilshommes. 50-50, aïe. Et toi, ça marche aussi? Bon, on va essayer avec lui. Espérons qu'il meure. Oui, évidemment, moi, ça lague un peu, donc... On va voir le duel au ralenti. Et là, c'est bien deux gentilshommes. Allez, gagne! 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 T'as intérêt de gagner, c'est qui le russe? C'est celui à gauche ou à droite? Je sais pas. C'est sûrement celui à gauche. Je sens qu'on va perdre le duel. Je sens une probabilité de chance qu'on perde ce foutu duel. Allez, gagne! Gagne! Je suis en train de perdre mon temps. Bon, je crois qu'on a gagné. Ouais! Je sais pas si on a gagné. On va passer. Il m'a vaincu! What? Non mais le mec il est... Il perd la tête. Oh évidemment on perd de... Ah! Il m'a vaincu. Ah le mec il est carrément réfugié dans une ferme. Très bien. J'ai vraiment intérêt à envoyer un agent te buter. Ah oui donc... Ah oui l'Arménie était devenue une province rebelle. Donc il y a peu de chances qu'il survive. Donc ce que je vais faire, vu que les Ottomans ils osent un peu me chercher comme ils veulent, on va aller envahir la Bagdad et Isapan. Oui, donc c'était Isapan. Ouais, donc après le reste on laisse. Ouais, dis donc les marettes sont en train de prendre du terrain. Donc on n'a aucun problème à se faire sinon le reste des événements. Bon, c'est pas. Ah oui, c'est vrai, en Azerbaïdjan faut que je me débarrasse des Ottomans. J'ai pas un agent quelque part, pas trop loin. À moins que je les ai tous envoyés. Un en Suède, un à Copenhague, un en Prusse de l'Est. Ah, mais. Oh, le QZM, ils ont pris la ville. Ouais, ils perdent pas la tête, eux. Ah oui, en plus, pour prendre la ville, bonne chance. Königsberg, c'est pas sur mes objectifs. Non, c'est bon, je dois juste envahir la Pologne. Ah ouais, je dois vraiment annihiler la... Non, je veux pas prendre... Non, c'est bon, je dois prendre Varsovie, c'est bon. On va aller envoyer ce mec se débarrasser de celui-là. De toute façon, on est assez expérimenté. En assassinat, oui, c'est simple, tu poignardes dans le dos. Ah, décidément, ils font suer, c'est... Le mec, il a aucun honneur. Il vient chez moi, il me pique mes technologies. Bonjour, au revoir. Alors, je suis sûr que les Suédois vont envoyer les renforts de la dernière armée que j'ai massacrée pour se sauver la ville. Ça, de toute façon, ils sont obligés. En fait, si je prends pas la ville tout de suite, j'attends qu'ils viennent se battre. J'attends qu'ils viennent montrer ce qu'ils ont comme, comme honneur. Voilà. Les Portugais n'ont pas encore disparu, j'ai l'impression. Ah, le Maroc n'existe plus. Très bien. Les Marocains n'étaient pas assez préparés. Voilà. Oh, RIP le Maroc. En fait, c'est vraiment bizarre pourquoi ils font que les Espagnols... Toi, j'ai vraiment envie de me débarrasser de toi, mais j'ai pas suffisamment de temps. Non, mais tu vas pas mais te fais pas suer, surtout, viens pas me prendre des technologies comme ça. Non, viens te battre comme un vrai homme. Prends un pistolet et tire-toi une balle dans la tête parce que t'as pas d'honneur, voilà. Or, on n'est pas chez les samouraïs, donc en bref, tu as de l'honneur, voilà. Crotte. Il mourra jamais, ce mec. Non. Je me demande si les Espagnols vont envahir une nation barbare. Bon alors. En plus, t'as rien. Il a rien dans son armée. Ah oui, c'est vrai, faut que. J'avais dit, j'attends que mon armée soit. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait une bataille. Mince. Ok. Ah, bah on a encore gagné comme d'habitude. Donc le Maroc a disparu. Exactement. Plus la garnison, qu'est-ce qu'il y a comme garnison? Ah, les Marocains sont pas très contents tout d'un coup. Attends, tu vas me dire qu'ils ont pas réussi à résister à ça? Ouais, des fois, le jeu, je me demande s'il a une bonne IA. La Bohème est toujours encerclée, la Bohème. Sans commentaire. Et où mon agent que je dois envoyer éliminer ce mec qui se permet? On a des technologies en cours sinon? Ah non, en fait, on va faire le carré, ce qui nous prend 3 tours. Très bien. On va bientôt pouvoir se débarrasser de ce mec. Décidément, là, j'ai envie de dire, il y a tout le monde qui se met, qui se fait plaisir chez nous. Voilà, voilà, on se fait pas suer, on t'en aime, voilà. Eh bien, vous allez voir quand je vais me vous verrez bien quand une puissante armée va vous sauter dessus, va vous décimer. Va... Enfin bref, vont tout vous faire souffrir. Je pense que là, il va falloir pas venir pleurer parce que je vous ai pas prévenu. Voilà. Je suis en train de devenir un peu dingue, mais ça m'arrive souvent.
Peut-être pas. Bon. Bien, comme mon armée sera quasi opérationnelle, ce qui veut dire dans peu de temps, on va voir ce que sont ta puissante armée. Regarde s'il n'y a pas des bâtiments à faire. Ah, là-bas, on va pas faire ça tout de suite. Au moment, c'est bâtiment pour l'économie. Et on n'a rien encore pour l'économie. Ah si, je crois qu'on a un gros bâtiment bien au nord. La mine de fer la plus paumée au monde. Genre, tu travailles là-bas, je pense que tu as 0% de chance de revoir ta famille avant 150 ans. Désolé de dire ça comme ça pour ceux que ça peut choquer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans leur armée? De la cave, bien évidemment. En même temps, je viens de les exploser. Trois tours, ouais. Oh, il y a une île. Ah, c'est bien. Bon, je voudrais bien voir ce qu'ils ont comme armée, les Danois, pardon. Pourquoi ils n'ont pas mis l'Afrique? Ça me choque. Il y a un truc que je remarque avec les nations barbares. Il n'y a personne qui ose s'en débarrasser. Les mecs, ils font suer tout le monde. Ça fait suer tout le monde. Non, tant qu'on y est, voilà. Tiens, il y a toujours la marine d'Indiaman qui est toujours là. Comme je l'ai dit, ça va mal finir pour eux. Venise. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai, le mec, il a été humilié. Toi. C'est quoi ton nom, toi, suédois? Ok, très bien, je ne sais même pas son nom. Merci beaucoup. Si je retente, ça fait quoi? 45%, ouais. 45%. T'inquiète pas, voilà. Donc ça avancera plus. Voyons là, ça, où on en est. Alors, la Suède est hostile. Je vais voir juste économie. Riche. Puissant, terrifiant. Ouais, terrifiante quand on aura moins de régions. Il y a des accords, je peux rien faire. Ça me choque. Pas quelqu'un ou... Bon, la Perse, on pourrait peut-être faire la paix. Allez, copain. Tu veux que je te donne ça? Alors, je serais bien pour ça et même pour une alliance. Si je fais ça, ça te va? Ça va te faire? Dieu m'accorde la force pour dire vrai, vous êtes plus tourmenté qu'une horde de chèvres surprises. Décidément, toi, tu n'as pas de culot. Le mec se fait vraiment plaise au niveau d'insulte. Ça veut dire, il pourrait se faire guillotiner, le mec, sa réaction. Oh non, tu pourrais faire tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, moi. Bon, au moins, on a des usines. Enfin, pas vraiment des usines. On va faire l'opéra. Oh là 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 là. Me dit qu'on devrait peut-être entrer dans... Alors, pilote premier, monarchie absolue, je regarde juste des trucs. On a toujours une grande population. On perd moins 27 de garde de la ville. Bon, en même temps, dans les villes honneurs, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment dans la campagne? Ah, c'est les épices. D'habitude, c'est l'ivoire. Non, c'est les épices. Il n'y a pas autre chose. Ah, je crois qu'il y a un problème au niveau de la route commerciale avec les Anglais. Ah oui, les mecs, il y en a qui bloquent. Ouais, donc. Ouh, ça lag. Je n'aime pas trop ça. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a rien de nouveau en Europe. Non, sinon, ça serait toujours aussi mal. Je suis sûre qu'ils vont venir et sauver leur vie. C'est obligé. Par contre, j'espère qu'ils ne vont pas reprendre la Carélie. On a une unité en cas d'attaque. C'est super, mais c'est pas trop super en même temps. Super. Alors. Oh, notre armée, elle est quasi opérationnelle. Ah non, je suis un peu perdu. On devrait passer un dernier tour à moins que l'ordi bug. Je l'ignore. On a 14 sur 30. Donc, ouais, ensuite on attaquera la Suède et on prendra. Je pense qu'on peut prendre les régions. Je vais voir ce qu'on peut faire. Par exemple, si on fait ça, région. Ah, c'est bien, je vais pouvoir donner des régions à des nations. Ah, ouais, c'est super. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire, dès qu'on prend la Suède et le Danemark, ça veut dire on va descendre tout en bas, les exploser. Eh bien, on leur dit, alors, désolé, vous vous êtes bien battus. Et on va leur donner ces deux régions-là. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà, enfin, faut déjà qu'on finisse cette guerre avant. Le mec... On est en 1717, je voudrais bien voir qui est à la tête de certains états. Or en Suède, c'est toujours Charles XII. Ah non, c'est... Ah oui, ils ont changé de roi maintenant. Là, c'est qui?
Friedrich? Ya! Yeah. Ah, c'est Frédéric, ok. États-Unis, c'est un président? What? Rodolphe Très bien, ils ont des noms bizarres en ce moment. Auguste 1er, très bien. En Royaume-Uni, c'est William 3. On n'est pas encore George 3. Toujours Louis XV. Louis XV, je crois qu'il meurt vers 1756. Espagne, c'est Carlos. Carlos. Mustapha 2. Ok. Et c'est toujours une fille en Inde. Ça me choque pas. D'habitude, on dit qu'en Inde, des femmes sont maltraitées. Là, le jeu a prouvé le contraire. Il y a carrément une femme reine d'État en Inde. C'est quand même surprenant. On va passer le tour et, par précaution, aussi, je vais sauvegarder là. Bon, donc on s'en sort pas trop mal. Donc, j'ai cru qu'il faudrait que j'attende que les Danons ils prennent les régions. Non, en fait, j'ai juste besoin d'un peu de stratégie pour reprendre, pour les éclater. Donc, en cas de crash de la vidéo, je vous dis à bientôt. À moins que ça ne crache pas. Ah, blocus. Décidément, il y en a qui aiment pas trop. Me dis vraiment que j'aurais fait une... Non mais, tu sais, tu peux juste saboter un bâtiment, ça revient au même. Oh non, ils vont m'envoyer une nouvelle armée. Et toi encore, tu fais semer vraiment. Ah, tu t'en vas de Moscou. Ah, tu vas vers Moscou, t'inquiète pas. Pourquoi je peux pas recruter des agents comme dans Rome? Oh non, mais arrêtez, mais... Je pense que j'aurais recruté une troisième armée. Parce que là, c'est plus possible. Là, niveau de armée trop puissante... Ah, je n'ai en train de détruire les armées. Je me gêne pas pour une fois. Ça, c'était pas bien trouvé. Bon, bien... C'est vraiment n'importe quoi, la guerre au Proche-Orient. Ah, encore une mine. En même temps, la Russie est tellement grande à l'heure actuelle que je ne vois plus rien. En fait, là, on est la Russie actuelle. J'ai juste pas besoin de l'Azerbaïdjan et voilà. Ah, en Azerbaïdjan. Ah non, en Arkastan. Ah oui. Oui, je sais, t'as fini tes missions. Ah, la Pologne est vraiment bien abandonnée. C'est-à-dire, je pourrais bien les attaquer, mais... Bon. Si tu fais ça, 31%, tu sais, t'as déjà réussi à tuer plus, je crois. Ça y est, notre armée est quasi opérationnelle et... Donc, ils se préparent à l'attaque à Stockholm. De toute façon, ils sont bien obligés. Dieu, mais les armées... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah, on va bientôt avoir la technologie du carré. Marche au pas cadencé. Ah. Malheureusement, ça va me coûter plus cher, la formation carré. Ouais. Mais je voudrais juste voir le prestige. On est juste connu pour le militaire et la révélation. Comment il y en a qui font dès le début, c'est inimaginable. Je me vois pas attaquer la Géorgie. Non, vraiment pas, en fait. Parce que en Inde, ça progresse. Non, sinon, ça progresse pas. Ouh, les mecs, vous viendrez faire un effort. Bon, dans moins d'un tour ou deux, on aura une armée. Je pense que je devrais recruter une nouvelle armée à Moscou. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Or, c'est quoi qui est mieux? On va faire des... Puissance de feu 21. On va faire ça. Faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Et on va commencer à recruter une puissante armée, si je puis dire. Pour cette fois botter leur derrière à ces Suédois. Et même, on devrait peut-être... Ramener du service. On va perdre l'argent. On va donner l'argent dans des nouveaux bâtiments. Allez, il n'y a pas un endroit. Ah oui, là-bas. Les mecs, c'est la politique de la terre brûlée qu'ils font. Pour ceux qui ignorent ce que la politique de la terre brûlée, c'est très simple. Par exemple, lorsque les soviétiques ont été envahis par les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est très simple. La politique de la terre brûlée, vous brûlez. Bah, c'est comme le nom. Par exemple, il y a des fermes sur la route de vos ennemis et que vous vous repliez par là. Vous brûlez les fermes. Voilà, comme ça, vos adversaires n'ont rien. Ce qui est vraiment n'importe quoi comme idée. Bon, Staline avait eu cette idée. Ouais, toi, ça va. Hein. C'est bon. Donc, en bref, tout va bien. Mon Dieu, le commerce avec l'Espagne aussi est rompu. Très bien. Donc, Cuzerne, ça marche. Géorgie, ça marche. Et bon, en bref, c'est que sur Terre que ça va. Faut vraiment que je fasse une flotte, un truc dangereux. Ah ouais, en Carélie, ça, je pense que ça a dû se calmer. Parce qu'en Azerbaïdjan, ça s'est pas calmé. Espérons que ça se passe bien. Vous êtes contents? C'est bien. Je suis content de vous. Donc c'est sur cette modification des impôts qui va nous rapporter plus. Parce que là, on devrait avoir... Ouais, on gagne beaucoup d'argent, mais le problème, à cause des guerres, on perd beaucoup d'argent.
Donc, prochain épisode, eh bien, on va attendre qu'ils viennent se battre comme des hommes, comme des Suédois qui mangent du poisson, du hareng, voilà. Et donc, quand ils auront fini de venir et qu'on les aura massacrés, on attend un peu, on va attaquer la Suède, on aura sûrement une bataille quelque part par là. Et espérons que ça se passe bien. Mon Dieu, les armées puissantes, je crois même pas qu'ils ont des armées pareilles. Oh mon Dieu. Mais de toute façon, si on prend la Finlande, je sais pas s'ils ont une des régions qui leur produisent l'économie. S'ils ont une mine de fer, mince. Je crois qu'on a des mines de fer, qu'est-ce que ça nous rapporte des mines de fer? Ça va pas trop bien. Ah, peut-être eux, ils ont pas la technologie de vapeur, très bien. Donc, dès qu'on prend la... qu'est-ce que je disais? Donc, on prend la Suède, on garde. Par contre, la Norvège et le Danemark, on leur restitue de droit. Normalement, je vais voir où en est mes relations avec mes alliés. Alors, rappelons, je suis allée au Cuserne. Bon, ça se passe avec le Cuserne. Amical, très bien. Danemark, ouais. Amical, ben, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Je suis votre unique sauveur. La Lituanie, très amical, ouais, en même temps, ce sont mes alliés de grande ampleur, je dois dire. Et la Géorgie, ça se passe correct, normalement. Indifférent. Ah, ça se passe pas trop bien avec eux. Alors, comme d'habitude, on va donner le reste de notre argent aux Danois. On va leur donner ce qui nous reste. Et hop. Ouais, ils sont tellement sans ressources qu'ils n'ont plus rien. C'est aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas les mecs, je vous jure, quand j'aurai vaincu les Suédois, je vous donne ces deux territoires, la Norvège et Copenhague, votre terre natale, que vous serez contents, vous n'aurez plus de crise économique. Par contre, il n'y a pas un truc, vous m'attaquez. Non. On a les longues dates, on va pas s'attaquer quand même. Non. Donc c'est sur cette crise où on n'a plus rien, oups, qu'on va s'arrêter là. Et j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. On va, prochain épisode... J'espère qu'on ait suffisamment d'argent pour... What? Des halbardiers. Très bien, ils m'attaquent avec une armée composée de M. Donc, prochain épisode, on bat ces deux armées. Quand notre ultime armée à Moscou sera terminée, ou même tout de suite, on pourra envahir Bagdad, puis Isfahan, mais on a des chances de perdre les deux villes. Et on n'a pas d'agent dans les environs. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Bye!